Vous avez devant vous le château de Reversault, de style Louis XIII. Il a été achevé vers 1730. Sa construction a été ordonnée par Philippe Guéant de Reversault, lieutenant civil et criminel à Chartres, et par son fils Jacques-Étienne, célèbre avocat au Parlement de Paris. L'architecte qui le réalisa reste inconnu. C'est un édifice de plan massé, élevé d'un niveau de soubassement et d'un rez-de-chaussée surélevé, et de deux étages sous un important toit à la mansarde, au terrasson particulièrement développé. La façade d'arrivée s'organise autour d'une travée centrale où se concentre une décoration discrète mais d'excellente qualité. Le balcon possède un élégant garde-corps en fer forgé et en dessous. Le cintre de la porte est orné d'une superbe clé représentant le masque d'Hercule couvert de la peau du lion de Némée. Précédé de grilles et de douves, la grande cour d'honneur est encadrée de deux vastes cours de dépendance. On y remarque sur la droite deux pavillons en forme de tour couvertes de calottes voûtées dont le style néoclassique et les maçonneries en briques et moellons enduits sont dus à l'architecte Antoine. Cette construction est restée inachevée, une tourelle de gauche n'existant qu'à l'état de soubassement. L'aménagement des abords est dû à Philippe Isaac Guéot, fils du précédent, devenu en 1771 marquis de Reversault et en 1775 comte de Miermaigne, président au Grand Conseil intendant d'Aunis et de Saintonge, assisté de Pierre Touffert, ingénieur du port de Rochefort. Leur construction peut être datée autour de 1760-1780. C'est donc dans cet endroit que nous avons décidé d'exposer pour cette journée du patrimoine nos deux véhicules. Vous reconnaîtrez une CX22 TRS et une SM version carburateur datant de 1970. Avec l'aimable autorisation des propriétaires du château, nous avons pu réaliser ce film et les photos que vous avez pu voir précédemment. L'ordonnance de la façade nord opposée est très différente. Les trois travées centrales y sont réunies en un large avant-corps dont la saillie se prolonge jusqu'au faîte de la toiture. Le niveau de soubassement est entièrement dissimulé par une terrasse talutée, desservie par trois grandes portes-fenêtres aux clés sculptées. Un satyre entouré de deux anges. Philippe Isaac Guéot, marquis de Reversault, au moment de la Révolution, vendit Reversault, fut dénoncé et arrêté à Chartres, où il était venu toucher l'argent de sa vente, transféré à Paris, emprisonné et guillotiné en 1792. La propriété fut vendue comme bien national sous le nom de Créton le 14 janvier 1793 à Jean-André Humbert, de nationalité américaine, puis revendue le 19 Brumaire en 4 au consort Montessuy, Renus et compagnie, avec l'aide d'un financement du banquier suisse Abraham Charles Rougemont. À leur décès, M. Diéville l'acheta le 6 Frimaire en F, puis la vendit à son tour le 27 février 1807 au colonel général des cuirassiers Gouvion-Saint-Cyr, qui fut le premier à l'occuper après le marquis de Reversault. Il s'y reposa de ses campagnes, puis nommé maréchal de France en 1813. Il y écrivit ses mémoires assistés par le grand mathématicien Cournot, précepteur de son fils. Entre 1820 et 1830, ses mémoires traitent de toutes les campagnes auxquelles il prit part pendant 22 ans. Son fils, le marquis de Gouvion-Saint-Cyr, pair de France puis député d'Eure-et-Loir à l'Assemblée nationale, habita constamment le château. En 1870, la marquise obtint l'autorisation d'installer un hôpital dans le château. Elle prit en charge et soigna nombre de grands blessés qu'elle allait relever sur les champs de bataille à Châteaudun, Patay et Loigny. C'est ainsi que le corps du duc de Luynes, tué à Loigny, fut ramené à Reversault où ses parents vinrent le prendre. Blessé à Loigny, le colonel de Charette resta à Reversault jusqu'à sa guérison et s'évada déguisé en curé de campagne après avoir rasé ses longues moustaches qui laissaient en souvenir à la jeune Marie de Gouvion-Saint-Cyr.
Le général de Senlis, amputé de la jambe gauche à Loigny, fut transporté à Roverso le 28 janvier et y restera jusqu'au 13 mars, passant son temps à réconforter et encourager les blessés. À la mort du marquis de Gouvion-Saint-Cyr en 1904, la propriété fut reprise par son fils Paul, à sa mort en 1923, par son fils Henri, 1923-1981, et à ce jour par son fils Gérard. C'est donc dans ce très beau cadre que nous avons eu l'autorisation de venir exposer nos voitures. Donc nous allons commencer par cette superbe CX22 TRS dont sa propriétaire va vous parler d'elle plus en détail. Bonjour à tous. Donc je suis aujourd'hui avec ma CX22 TRS de 1987 dans ce superbe cadre, avec un super accueil des propriétaires de ce château de Reverso dans l'Eure-et-Loir, près de Vosges. Donc, pour ma CX, eh bien, je l'ai récupérée en 2006 pour mon plus grand bonheur. Je l'ai restaurée entièrement à l'origine et je roule avec régulièrement et elle marche très bien. J'en suis fière, c'est mon bébé et je vais la garder très longtemps. Cette CX a eu le bonheur de passer deux fois dans Chevronné. Nous connaissions le monsieur de Chevronné, Thierry Astier, qui est malheureusement décédé trop vite. C'était un ami, nous le regrettons. L'intérieur de cette CX est en parfait état. Il a été restauré aussi. Elle est comme à l'origine. Elle est très belle. C'est ma CX. Intérieur VIP, toute option à l'époque. Et son kilométrage? Elle a 130 000 km d'origine, certifiée. Elle marche très bien. Bien entretenue, révisée régulièrement par un petit jeune qui se lance dans la voiture ancienne. Ce petit jeune s'appelle Cyril. Il est très très bien. Il s'occupe bien de nos voitures. Voilà donc pour la présentation de cette superbe CX22 TRS dont j'ai oublié l'année. 1987. 1987. Voilà donc la seconde voiture exposée dans ce lieu magnifique. Donc une Citroën SM de 1970, fabriquée le 30 novembre 1970, donc une des toutes premières, qui affiche fièrement ses 50 ans. Régulièrement entretenue, a été pratiquement entièrement restaurée. Elle roule aussi de façon très régulière. Son kilométrage est de 195 000 km et elle fonctionne comme si elle avait 20 ans. Donc régulièrement entretenue. Tout ce qui devait être fait dessus a été fait. Il lui reste toujours à ce jour quelques petits détails de peinture à régler. Donc véhicule qui roule régulièrement, minimum une fois par mois, entre 100 et 150 km. Il est fort dommage qu'on ne puisse plus apprécier les performances de cette auto fantastique, maintenant à cause de nos restrictions de vitesse sur les routes. L'intérieur est en cuir naturel. Alors cette voiture a une longue histoire, mais il serait trop long de vous la raconter sur ce film. Ce serait vraiment très très compliqué pour qu'elle puisse retrouver sa configuration d'origine en sortie d'usine, c'est-à-dire couleur sable métallisé et intérieur cuir naturel. Entre-temps, elle a changé de couleur à l'extérieur et elle a changé de sellerie à l'intérieur. Mais son troisième propriétaire l'a fait remettre dans sa configuration d'origine. Donc ce serait un petit peu long à vous expliquer. Ceci étant, voilà un petit aperçu de son intérieur. On va passer de l'autre côté.
Voilà pour la présentation. Merci à tous.